C'était toute une école, sa vie,
valeur intellectuelle, de valeur morale et surtout l'impartialité. Elle a fait pas mal des œuvres sociales, elle a assisté pas mal de gens, mais nos dossiers n'étaient pas rassasiés de la foi. On avait besoin d'elle. Mais le dernier a voulu que ça soit ainsi. Bien, Charlotte, tu vas savoir que tu as laissé des orphelines en fait. Tu vas savoir que tu as laissé tes enfants sans t'en opérer. Tu es une femme pleine d'amour. Pourquoi tu as été une mère? Qu'est-ce que je peux te dire encore, Yaya? En tous les racines, la mère est dignité de ta vie au moment. Tout a pris que Yaya. Oh, la chose. Le Seigneur t'a été consacré si tu as été même. Merci. Il n'est pas facile de prendre la parole dans cette circonstance douloureuse. En effet, ce jour du 25 février 2020, nous sommes rassemblés dans ce cadre pour rendre un dernier hommage à Madame Charlotte Martial. Une collègue députée, certes, mais aussi un grand cadre de mon parti politique, Engagement pour la citoyenneté et le développement des cités anciennes. Madame Charlotte Martial était membre du bureau national du parti, secrétaire national en charge du genre et femmes, secrétaire exécutif de l'UCOMA, mais aussi présidente de l'Action des femmes de décider à faire ancien. Au nom du président Martin Fayet et de tous les membres du parti,
Conduite à ta dernière demeure. Tu imagines les déchirements et les pleurs que tu laisses derrière toi, ma chérie. Peux-tu penser dans quelle panade les deux familles sont plongées en ce moment? Depuis le décès de Yatoma, tu étais un des deux piliers qui soutenaient la famille Masiala. Et en nous quittant ce jour, doit-on croire que tu as choisi de laisser cette famille une jambe et déstabiliser? Nous savons tous combien il est important d'avoir une famille unie et combien nous agissons tous pour qu'il en soit ainsi. Mais ce qui était particulier avec Charlotte, c'est qu'elle chantait, et le chantait à tout vent, et le chantait à toute occasion. Pour Charlotte, la cohésion familiale était son credo, était son leitmotiv. Au point qu'un jour, taquin, je lui avais demandé si elle n'en parlait pas tant parce qu'elle avait peur de l'oublier. Eh bien, j'ai reçu ma réponse. Du tic au tac, elle m'a dit, je le rappelle très souvent pour aider ceux qui ne le savent pas et ceux qui risquent de l'oublier. Je reconnais que Charlotte était très peu loquace sur beaucoup de points. Mais quand il s'agissait de la cohésion de la famille, elle attrapait alors là un verbe très déployé. Je me demande si pour célébrer Charlotte Masiala, il ne faudrait pas écrire sur sa tombe, pour son épitaphe, des mots tels que « au nom de la cohésion familiale ». Ou tout simplement, sans me mêler à la politique, on peut aussi écrire tout simplement la cohésion familiale d'abord. Charlotte, pour nous, tu n'es pas partie et tu ne seras jamais partie. Car ta présence restera toujours dans nos cœurs. C'est pourquoi ce n'est qu'un au revoir que je vais t'adresser. Bonsoir, maman. Au revoir. Au revoir, Charles. Parce que dans votre discours, vous avez tout dit. Chacun a sa façon à décrire au Yamona qui est pas Yaya. Il saute au bivouac et Yaya. Dissot. Mais nous dans la famille, ça existait déjà depuis toujours. Parce que notre famille, c'est d'abord l'amour qui est. Elle a aimé ses propres chiens. Tout ce que je veux dire. Ça va quoi?
technique de la vérité des jurés. Hommage à l'honorable Charlotte Massiala. Et Cité pleure Maman Charlotte. Avec Diaspora pleure Maman Charlotte. Maman Charlotte. La mort dans son insolence t'a arraché à cette vie en nous laissant pétris, incrédules et inconsolables. Nous porterons dans nos cœurs les souvenirs d'une femme politique passionnée, une femme politique rigoureuse et équitable. Tu étais au service du peuple qui t'a élu, toujours à la recherche du bien-être commun. Nous nous souviendrons de ta disponibilité et de tes conseils. Tu as tenu à former des femmes politiques sûres de leur leadership. Nous gardons précieusement les recommandations que tu ne cessais de nous prodiguer. Un certain 28 mars 2021, en commémoration du mois de la femme, tu nous as parlé du rôle de la femme en politique et de son leadership. Tu nous as confié les secrets de ton parcours politique, qui sont les 7 clés du leadership féminin. Diriger avec la tête et le cœur. Aujourd'hui, nous femmes avec, considérons ces 7 clés comme les testaments que tu nous as légués et que nous garderons précieusement. 1. L'authenticité. 2. L'empathie. 3. L'intuition. 4. La créativité. 5. La bonté. 6. Les partages et cette la paix. Nous gardons précieusement ces clés qui ont conduit ton parcours politique. Nous avons le devoir d'être à la hauteur de ces enseignements, de ton exemple. Tu es parti au moment où nous avions tant besoin de toi, de tes conseils et de ta guidance. Tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires. Que puisse Dieu, dans son imminence, et dans son immense amour, t'accueillir dans son royaume. Adieu, honorable Massiala. Repose en paix, femme des valeurs. Que la terre de nos ancêtres te soit propice. Présidente de l'Afrique. Commençons par celle que nous tenons.